Trop loin, non? Ah, c'est trop. Ah oui, en effet. Ok. Il est 1h10, on va peut-être aller dormir. Peut-être aller dormir. Hein. Ok. Oh, il neige! Les sashimi! Merci pour ces sashimi. Et en vrai, je pense même faire un truc comme ça, genre, hop. On remonte ça de 1. Et ici, en fait, on va... Ça peut être très beau, mais en vrai, ça peut être pas mal. Faire ça, du coup... Ça lag, c'est chiant en fait. Hop, voilà. Hop, on reprend le sol patinet, on le met là. Voilà, et en gros, ici on aura le coffre de Jumino qui sera relié aux deux. Et en gros, le but c'est que ce que les Jumino vont ramasser, ça partira au pif soit dans les fûts, soit dans les bocaux. On s'en fout de ce que ça fait en vrai, on s'en fout complètement de ce que ça fait, c'est pas important. Et voilà. Et en fait, c'est full automatisé. Moi, j'aime bien cette strat, moi. J'aime bien cette idée. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'aime bien cette idée. En extérieur, comme ça. Bah, du coup, fût d'un côté et beaucoup de l'autre. Moi, j'aime bien cette idée, moi. Et si on veut faire un autre champ par nous-mêmes... Bon, oh, on est même pas obligé. Hein. On est pas obligé de faire un champ par nous-mêmes. Hein. Ah bah voilà, bah, faut juste qu'on récolte... Par contre, faut qu'on fasse beaucoup de fûts et beaucoup de tonneaux. Pas des fûts, pardon, des bocaux. Des bocaux et des tonneaux. Et là, par contre, ça va être compliqué. Ça, par contre, ça va être très compliqué. Attends, d'abord on va aller chercher. Hop. Ce qu'il faut. Ah là on est en full opti là. Oh regardez. Plus que 15 jours. Bon ça se passe bien, ça se passe bien. Ça se passe bien tout ça, ça se passe bien. C'est parti pour détruire des arbres. En vrai là non, il faudrait plutôt que j'en plante. Mais du coup on est en hiver donc c'est dommage. Il m'aurait fallu beaucoup de... C'est pas du sirop d'érable, c'est pas du... Enfin, c'est du... Pas du truc pour faire les fûts, quoi. Après, en vrai, j'aurais aussi la saison de printemps pour le faire. Si vraiment il faut. Et que je me fasse des arbres que je relie à mort avec les seigneurs, quoi. Pour avoir plein de... Pour avoir plein de sève. Parce que ces trucs-là, il faut de la sève pour en faire. Et il m'en faut 70, quoi. Pas de la résine de... Oui, si, c'est la résine de chêne qu'il faut. La résine de chêne, c'est ça. Parce qu'en vrai, le lingot de cuivre, le fer et le bois, bon... C'est pas si relou que ça. Du coup, voilà, vous voyez, ça, du coup, ce sera relié à ça. Et ici, il y aura tous les fûts. Après... si je dis pas de bêtises, je dois avoir assez pour au moins faire les bocaux. Tellement pas. Ah, il y aura du travail, hein. Parce que les bocaux, ils vont être comme ça. Hein. Après, attends, est-ce qu'on essaie de faire un truc propre? Non, non, on va juste remplir ça à donf, on s'en bat les couilles, hein. On a tout ça rempli. Hein. Bon, on a toute la saison hivernale pour remplir ça. Comme ça, on n'est même pas obligé de faire les maisons. Hein. J'ai pas posé le houblon, tout à fait. On n'est même pas obligé de faire des maisons pour ça. Hein. Ça reste en extérieur. C'est cool, en vrai.
Après des maisons, après les maisons, peut-être les mettre pour les... C'est déjà 60 000 balles de bière, putain, merde. Les maisons, on peut peut-être les garder pour les bassins de poissons, du coup. Parce qu'on va manquer de place au bout d'un moment. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. Du coup, on a dit... Hop. Petit détour chez Marnie. Je vais juste regarder encore une fois l'autre, là. Ok, Lance, il est sur l'île gingembre. Donc là, si je veux lui donner un truc, il va falloir que j'aille sur l'île gingembre. On fait des maisons. En en parlant à Robin. Parle à Robin et tu lui demandes de te faire des maisons. T'as des cabanons ou qui sont vides. Qui servent justement à ça. Oh là, 20h25 déjà. Eh ben. Salut, c'est de PC. Hop, le petit détour habituel chez Sophia pour les cadeaux de tout le monde. Parce que justement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que un truc que je faisais pas beaucoup dans le jeu avant, c'était de monter l'amitié avec les gens. Et vu que là, il y a un truc, et là, il y a du modé et tout, il y a des persos en plus. J'ai pas donné de cadeau à Marnie, je suis un abruti, non? Ouais. C'est ça. C'est ça. Encore une fois. Il oublie toujours ce qu'il doit faire. Parce que je parle d'autre chose et du coup, bah, j'oublie que je vais passer chez Marnie pour lui déposer un diamant. Bon, ça va, après, il est 20h. Il est midi 20, ça va. Marnie, bonjour. 5, let's go. Hey, tu l'aimes le bon slip? Eh oui, c'est le PC, eh oui. Eh oui, eh oui. Malheureusement, c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose, nous, à notre échelle. Eh ouais, ouais. C'est comme ça. Sophia! Es-tu... Sophia, putain, mais... Non, mais je confonds les femmes! Salut, Olivia. Un peu de vin. J'ai essayé de faire venir Jody et Caroline au bain avec moi. Ce serait une merveilleuse soirée entre filles, c'est important de prendre le temps de récupérer. Après, si tu veux, Olivia, j'ai des bains privés chez moi. C'est toi qui, moi. C'est toi qui... Bah, bon, on est monté à 6 avec elle, là, par contre. Donc, peut-être animation spéciale? Oh, c'est vraiment la veuve classico, quoi. Musique triste, en train de boire du vin. Oh la vache. Bonsoir chérie, j'écoutais Harugi Kiko. C'est une violoniste gotorienne célèbre. Putain de merde. Ah ouais. Ça me manque de l'écouter en direct à la radio. En fait, faut que je fasse une voix comme je fais avec les vieilles riches, hein, en vrai. Hein. Il y a une magie dans la musique live que les enregistrements ne capturent pas. Une fois, je suis allé la voir jouer avec un orchestre. Elle était magnifique. Je pense que la voix est parfaite. Lorsque la guerre a éclaté, les émissions de guerre de Kotoro ont été bloquées dans la région de Ferngill. J'espère que rien de terrible ne lui est arrivé. Je ne peux pas... Quoi ? Je ne peux pas en pleine conscience dire qu'elle va bien. Non mais pourquoi dire ça ? En vu qu'on essaie de la pécho, on va lui dire bah, « Je suis sûr que... Ah, il va bien. » J'espère qu'elle surmontera ça. Ma famille est de l'Empire Gotoro. Ma mère et mon père ont émigré dans la République de Ferngill. J'ai de la famille et des amis là-bas, piégés et incapables de partir. Je m'inquiète pour leur sécurité. Je ne sais pas s'ils vont bien ou pas, mais il est impossible d'appeler ou d'écrire à l'un d'eux. Courage, Olivia. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui se passe. Je ne veux rien en croire. Un peu trop RP avec les trucs actuels. J'ai besoin d'un verre de vin. C'est vrai qu'elle a littéralement genre un... Eh ben.
Là, un bar sous, dans le sol, dans tout ça, quoi. Voici quelque chose que tu n'as jamais goûté, Luigi. Vin de fruits annelés, âgé de 30 ans, des îles Fernes. God damn. Lui, il a un bol, elle a un verre, quoi, c'est... Tu as peut-être rencontré Suki, la marchande ambulante. Elle s'appelle Suki, ah ouais. Elle visite la forêt le week-end pour vendre des produits de Gotoro. C'est triste. La seule façon d'obtenir quoi que ce soit de la maison est d'acheter des marchandises de contrebande. Je lui ai acheté un rare plat de porcelaine Gotoran il y a quelques semaines. C'est d'un modèle particulièrement ostentatoire. Je l'ai exposé dans l'armoire de cuisine de l'étage. Je me demande d'où vient cet ensemble. Quelle famille l'a vendu morceau par morceau pour pouvoir se permettre de manger? Oh, elle est chiante finalement. Un peu chiante finalement, la Olivia. Là. Qu'est-ce que je devrais dire? Ce qui se passe est terrible. Je suis content qu'elle t'aide à rester connectée avec ta maison. Ce qui se passe. Oh, vous savez, Luigi n'est pas un grand. Ne fait pas de grands discours, donc bon. Ce qui se passe est terrible. C'est le cas. Je ne peux pas arrêter de penser à toutes ces personnes blessées là-bas. Eh ben. Suki me donne parfois des informations privilégiées. Ce n'est pas toujours ce que les nouvelles ici nous disent. Comment était le vin, Luigi? Pixel. C'est rare et cher, mais avoir de belles choses n'a pas d'importance si on ne peut pas les partager avec ceux que tu aimes. Ok! Donc elle m'aime bien. Let's go. Oula. Oh, je suis désolé, Luigi. Cette conversation m'a donné de sinistres souvenirs. J'ai besoin d'être seul. Allez, salut! Merci, mon chou. God damn. Ça fait réfléchir. Vas-y, remets ton petit truc, là. Edward, tu me manques. Edward sera bientôt remplacé. Pas de problème, Olivia. Ok. Bon, l'amitié augmente, c'est cool. L'amitié augmente, c'est bien. Ça avance bien. Comme j'ai là que tu me manques moins. Quel enfer. Pas encore. On n'en est pas encore là. Hé hey Maurice, ce petit cadeau. C'est un cadeau digne de mon attention, bien sûr, Luigi. Ah, je sais. J'ai consacré cet hiver à planifier la nouvelle stratégie de Joja. Cette année va venir, sera la meilleure à ce jour pour Joja. Bah, c'est littéralement ce que tu m'as déjà dit, mais... Aïe. Bon, après, l'histoire d'Olivia est un peu trop RP avec ce qui se passe actuellement dans notre monde, hein, donc... Bon. Faire attention. Hein. On va faire attention quand même. Hein. Ah, attention. Bon, ça y est, il a fini le tirage au sort, le Guillaume, là. T'as pas de marrant le tirage au sort à faire, hein. Ouais, si t'as vu le nombre de gens qui se sont inscrits. Hop là. Badam-poum. Attends, on est en hiver, tu fais quelques kilomètres, t'arrives sur une île paradisiaque comme ça, quoi. L'opportunité de vacances comme celle-ci pourrait vraiment booster l'économie locale. Bah... J'aurais mieux de pas rester longtemps au soleil, sinon ma moustache va se dessécher. Bien sûr, Lewis. Bien sûr, Lewis. Alors du coup, les caramboles, ils sont prêts quand, moi? Dans 2 jours, très bien. Dans 2 jours, on pourra acheter... la maison de Jumino. C'est nickel. Mon bon Lens, on peut devenir amis?
Mais quoi? Je vais donner 2 vins à 28 000 balles, y'a même pas une seule sensation, genre. Y'a même pas une seule sensation, le bonhomme. Enfer. Ce soir, on fait un vendredi PVP. Vu qu'on est vendredi. Et que le vendredi, on fait du vendredi PVP. Tout à fait, ouais. Ouais. Ah, les petites mangues. 2 jours pour les bananes? Oh. Donc ça veut dire que là, en hiver, on va pouvoir choper, si je remonte à 1 million, on va pouvoir choper bah, le totem de TP pour l'île. Et ça, ça régale. Ça régale, par contre. On sait pas, ici, il faudrait... Ah, mais je peux pas mettre de jumino ici. J'allais dire que je mets des jumino ici. Bah non, je peux pas. La dingue. Bah ouais, la dingue. Évidemment. La dingue. C'est ça qui est fou avec ce jeu. C'est la fête. Merci Granoliaxi pour le bribe. Merci beaucoup. Merci Granoliaxi. Bon bah ok. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est-à-dire littéralement voir les caramboles où est-ce qu'ils en sont et donner un cadeau à Lens. Mais là le Lens, ouais, faudra vraiment que je l'accroche à mort. L'horloge c'est 10. C'est un peu plus cher que ça, quoi. Ah non, j'ai oublié de faire un truc, je voulais voir Maître Key. Ah, enfin Monsieur Key, merde. Bon bah, dommage. Dommage, monsieur. Bah, je viendrai dans 2 jours, hein, c'est pas grave. Je viendrai dans 2 jours. Bon, au pire, on peut continuer un peu à regarder le... La place que j'ai dans la ferme. Donc ça du coup faudra que je continue à le remplir. Et du coup ici j'ai de la place hein. Est-ce que je replanterai pas des arbres ici du coup? Pour décorer un petit peu. Et pour surtout mettre des chênes. Pour tenter d'avoir de la résine de chêne. Je pense que ça peut être un bon plan hein. Par contre j'ai un problème de place. Littéralement. Hop. Qu'est-ce que je peux dégager d'autre? Un truc qu'on peut aller vendre. Salut mon pote. Hein. On va faire que des arroseurs en iridium. Hop là. Donc, il faut que je trouve du gland. Hop là, du gland. Du gland. Et il faut que je fasse des... C'est quoi déjà les... C'est de la fibre et de la pierre, mais j'ai pas beaucoup de fibres. J'ai pas beaucoup de fibres. Mais... En plus, il faut que j'économise la fibre. On va en faire 10. Si je peux poser 10 arbres, ce serait bien. Genre, un là. Un là. Un là. Un là. Un là. 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 Et là. Et un pourquoi par là? Et un autre... Un autre là. Voilà. Et du coup tous ces arbres, j'en ai planté 10, parfait. Tous ces arbres, ce sera les arbres qu'on utilisera pour avoir de la résine de chêne. Et voilà. C'est ça qu'il y a la grotte des égouts pour la fibre, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, j'ai pas fait de bassin aujourd'hui, non. J'ai pas du tout fait de bassin aujourd'hui. Ça m'a fait penser énormément à Zerator. Ah ouais? Pourtant j'ai pas du tout la voix de Zerator. Loin de là.
Enfin, je pense, je crois, ne pas avoir la même voix que Zaratan. Je voulais te remercier d'être si adorable et de m'avoir écouté l'autre jour. Je sais que je peux paraître un peu larmoyante quand j'ai pris quelques verres. La prochaine fois que nous prendrons un verre, je te parlerai de quelques-uns des merveilleux endroits que j'ai visités. Il est facile d'oublier qu'il y a parfois un monde en dehors de la vallée. Mais j'ai beaucoup d'histoires à partager. Avec tout mon amour, Olivia. Pa pa pa, elle m'envoie des lettres, c'est gagné! J'ai créé un bâton enchanté avec un pouvoir phénoménal. Cependant, il me manque quelque chose, une barre d'iridium. Je suis prêt à payer 5 fois sa valeur. Let's go. Voilà. Bravo, mon Luigi. Tu l'as dans la pocket, celle-là. Tu l'as dans la pocket, celle-là. Petite barre d'iridium, il veut le monsieur? Allez, on lui amène ça. Incroyable pour voir. Incroyable! Bah en vrai. Et du coup, mais du coup on a parlé de Zerator et du coup ça, j'ai l'impression de faire le même temps de voix que Zerator, mais. Non, j'en suis très très loin. Très très loin. Bonjour, cadeau. Ah, de l'iridium précieux, tu as fait du bon travail, Luigi. De rien. Hop là. Oh, 8 sur 8! L'amitié au maximum! Let's go! On peut pécho le match du coup maintenant, c'est ça? J'ai été marié il y a longtemps, après notre séparation, ma femme a commencé à voler au-dessus de la vallée, maudissant tous ceux qu'elle voyait. C'est pas une manière très mature d'exprimer sa colère. Tu m'étonnes, mon pote. Let's go. Qu'est-ce que... Oula. Ah, 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 Luigi, je l'ai confondu. Ah, arrête, arrête ça, toi. Sorcier ? Ramastanius, magie. J'essaie de lancer un sort qui m'aiderait à communiquer avec plus d'esprits de la forêt et... Oh, oh mais là... Il semble avoir... Arrêtez ça. Il semble s'être retourné contre moi un peu. C'est horrible. Luigi, serais-tu assez gentil pour prendre ce livre de sort et lire les trois lignes d'en bas de la page 53? Ah, arrête de me chatouiller. Ah. Oh. Tu les as tués. Oh, je reviendrai. Ah, merci beaucoup. Maintenant, petit, dis-nous, de quelle partie de la forêt venez-vous? Ah, super. Jumino vous raconte, à vous et à Rasmodius, sa maison dans une petite partie éloignée de la forêt pendant un moment. L'assistant est particulièrement intéressé à entendre parler des lignes de pouvoir près de chez lui. J'ai rien compris de sa phrase. Finalement, le Jumino décide de rentrer chez lui et Rasmodius le fait disparaître avec un autre sort. Maintenant, tout est réglé. Dis-moi la vérité. Étais-je totalement indigne? As-tu été tenté de rire? Je suis obligé. Je suis obligé de dire ça. Pour être honnête, oui, absolument. Eh bien, j'apprécie ton honnêteté et ça va. Je ne veux pas que tu penses que je me prends trop au sérieux. Je suis sûr que j'avais l'air vraiment idiot. Eh bien, je pense qu'à l'avenir, au lieu d'essayer d'invoquer les esprits pour qu'ils viennent à moi, je devrais probablement aller dans la forêt et les trouver moi-même. Maintenant que j'ai récupéré un peu, je crois que je vais faire quelques explorations. Garde ça pour toi, n'est-ce pas, Luigi? Je veux pas devenir la risée. Ah non, mais écoute, tu fais des orgies avec des Junimo, c'est pas grave. Tant que c'est consentant. Voilà. En soi, y'a pas de problème. Bah voilà quoi, c'est comme ça. Hein. Hop là, 5000 balles. Ouais. Toujours les pires réponses. Bah bien sûr. Bah non mais au moins il a bien apprécié mon honnêteté, tu vois. Bon, ça va vraiment pas parce que ce soir elle est mal tournée. Je soupçonne que les esprits de la forêt me suivent pas les mêmes règles que toi et moi. Sûrement. C'est sûrement ça. Bon, je reviendrai le voir plus tard. Quand Non, je vais le mettre plus en haut. Je vais en avoir plus tard quand j'aurai
ce qu'il faut pour acheter la maison de Jumino, c'est-à-dire le bah demain. Sauf que bah il est 45, donc on n'aura pas le temps de faire cette journée de demain ce soir. Là, on va juste terminer tranquillement avec ce qu'on a à faire ici et là. Je pense. Il s'est fait penser à ML. Ah bon? Juste parce qu'il a une barbe, je suppose. Un peu rabaissant quand même. Ah! Et bah voilà, ça prod. Ça prod du fruit ancien, c'est bien ça. On va pouvoir en planter plein et voilà. Ok. La baie de gemme sucrée, elle commence à grimper. Bah en vrai, vu que j'ai des graines anciennes qui traînent là, est-ce qu'on ferait pas du vin de fruits anciens? Faut que je fasse 2, 4, 6, 8. Faut que je fasse 8 graines. Faut que je fasse 8 graines de fruits anciens pour compléter le truc. Et le reste, on pourra le faire partir en vin. Après, ça va prendre du temps, mais... On va mettre 4. Techniquement, avec 4, ça devrait suffire. Et donc là, on va mettre un petit coffre. Un petit coffre. Mettons un coffre en pierre, comme ça, moi, c'est un coffre un peu différent. Bien que, faudra que je mette un coffre du minot après, mais bon, bref. Pour l'instant. Donc là, si je mets ça dedans. Ça fait de la gelée. Parce que c'est pas le bon truc, mais c'est pas grave. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Faut que j'aille dans les égouts parce que j'ai du coup faut que je re-reset mon truc. Il faut que j'aille acheter l'arroseur en iridium. Et tout ça. Je vais commencer mon Star Joker 3 mais je me demandais si tu as pris ta robe en français. Est-ce que tu as pris ta... Ah, sur le site de Dragon Quest FR. Sur le forum de Dragon Quest Fan, pardon. Putain vache. Galère hein. Donc sur le forum de Dragon Quest Fan. De toute façon, si tu cherches Monster Joker 3 FR, tu vas trouver assez rapidement. Il n'y a pas des milliards de résultats. Bonjour monsieur. Merci monsieur. Qu'est-ce que je... Ah bah je vais aller ramasser du bois je pense. Je vais aller ramasser du bois. Comme ça on va pouvoir faire d'autres fûts. Et d'abord on va aller voir évidemment la marchande itinérante. Bonjour. J'ai pas celui-là, je crois. Au revoir. Ouais, les fibres aussi, ouais. C'est vrai que j'ai les fibres aussi à faire. Oh, ce bois dur. Ah ouais, tu peux arnaquer plusieurs arroseurs. Je savais pas ça. Oh, la vitesse qu'on peut faire avec le rapide plus l'animation cancel. C'est incroyable. Ça va assez vite. On m'appelle Société Man. Je transforme la forêt en parking. Et je crée un Lidl. En même pas 2 minutes. Pu pu pu. C'est si rapide, mon dieu.
What the fuck. J'adore. J'adore, ouais. Oh, une épée. Ah, c'est quoi, vu qu'on est là? Hop. Go remplir le silo. Du bois, du foin. Voilà. Y'a combien de bois déjà? Eh ben, on a déjà fait, on a plus de 1000 bois déjà. Du coup, en fait, pour faire les bocaux. Il faut du bois, du charbon et de la pierre. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'amuse à récupérer deux fois plus de bois, voire même quatre fois plus de bois, juste parce que j'ai du bois qui va être transformé en charbon derrière, quoi. Il y a ça aussi à prendre en compte, quoi. Hop. C'est vrai que la forêt, par contre, niveau ressources, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ouf. Salut, Max. C'est éprouvant de détruire une forêt. C'est juju. Bah écoute, ça taffe, hein. Oui, enfin, pardon, la forêt qui existait avant de faire le parking, là. Elle a été éprouvante à dégager, hein. Non, j'ai pas dit que c'était de la merde, j'ai juste dit que c'était pas l'enchant que je voulais. Là, en fait, le seul truc qui est bien, c'est qu'on va vite. Hein. Et sinon, y'a rien de révolutionnaire. Hein. Alors que l'autre enchant que je voulais avoir, on avait plus de bois, justement, donc... Eh ben. Bon, ça donne quoi niveau résultat? Ça, 2 stacks, on a récupéré quasiment 100 de bois dur. Eh ben, c'est pas mal. Même si c'est clairement pas assez de bois pour faire tous les fûts dont j'ai besoin. Bon, allez, ouf. On est allé loin dans la forêt quand même, faut que je rentre. Faut que je passe dans les égouts avant de repartir, puisque j'ai complètement oublié de parler au chien. Comme d'hab, j'ai encore oublié ce que je devais faire. Enfin, j'ai encore oublié zappé ce que je devais faire. Forcément, je dois y retourner après. Sinon, c'est pas drôle. Et on va terminer ça parfait, il va être 21h, donc nickel.
Et la forêt a été rajoutée par les mods, ouais. Et on va pas se mentir qu'elle est bien pratique quand même. Elle est quand même bien pratique pour avoir beaucoup de bois. Comme ça, on fait passage égout pour reset les trucs d'agriculture. On prend les bons trucs de l'agriculture. Et on est bien. Et on n'a pas besoin de plus. Ta 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 ta. Alors non, les gars, désolé, ma team n'a pas encore été annoncée. Puis pour l'instant, pour essayer, je n'ai pas réellement de team. Ça se fera au dernier moment. Mais bon, ça vous aurez les infos. Quand je pourrais vous les donner, c'est-à-dire je sais pas quand. Mais vous les aurez un jour. Quand je pourrais vous les donner comme j'ai dit. Car pour l'instant, je peux pas vous les donner. Pour ça, le fait que ça va tirer au sort. Bah c'est normal. Il y a 100 équipes, il y a combien d'inscrits? Mais c'est normal, c'est obligé. C'est totalement obligé en fait. Après, bon, moi je suis pote avec Guild, donc vous doutez bien que j'ai pas besoin de tirage au sort. Pas besoin de tout ça, moi. Mais oui, c'est chiant, c'est normal. Bon, y a tellement d'inscrits. Bon, c'est ça, c'est normal quoi. À ce moment-là, t'es obligé quoi. 800 équipes, c'est ça? Ah putain, ouais. C'est la fin! Merci Damien pour le 4e mois. Merci beaucoup. Bon, bah on récolte ce petit houblon et puis on pourra dire que la journée est terminée. On pourra dire que la journée est terminée et puis bah on passera sur le vendredi PVP. Et puis voilà. Et puis voilà. Hop là. Et pour les streamers, j'aurais pensé que vous avez le droit de former votre propre team. Bah non, justement. Non, c'est ce que je dis, Tanka. Nous, on a pas ça, nous. C'est peut-être les types de... Enfin, les gens qui sont pas proches de Guild, tu vois. Mais pour les gens qui sont proches de Guild, y a pas... C'est... On fait comme on veut. Allez-y. Et on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Donc on prend cultivateur et du coup les produits artisanaux 20 machin valent 40% de plus. Et voilà. C'est vrai que ça 40% c'est quand même énorme quoi. C'est quand même énorme. Boum. Allez, on continue ça lundi, évidemment.